Peut-être tout le monde a connu Garcia Delva. Monsieur tellement aimé Garcia Delva, monsieur imité la voix de Garcia Delva. Chaque fois que Garcia a parlé, monsieur Wesley a parlé même gens avec lui. Pour qu'il y ait même voix avec lui. Monsieur a acheté une quantité de pantalons, même gens avec Garcia Delva. Monsieur marché, même gens avec Garcia Delva. Tout ça, Garcia a fait, monsieur a cherché à faire. Monsieur dit ça, c'est modèle, moi. Monsieur chante, même gens avec Garcia Delva. Et là, ben, monsieur camionnette, là, monsieur travaille. Moun qui connaît Jean, monsieur Remé Garcia Delva, depuis on dit, je descends de machine, on dit, monsieur, yes, aya. Je dis, ouais, vous n'avez pas besoin d'aller. Vous n'avez pas besoin de payer ou mettre aller. Et vous dites, monsieur, yes, aya. Je dis, ouais, c'est mon grâce, on y est allé. Vous n'avez pas besoin de payer. Jusqu'à ce que le pas j'aime qu'il y ait à mettre la camionnette là, il prend la main et il retourne vite sous béton encore. Pour lui-même, le modèle parfait, c'est Garcia Delva. Et très bientôt, il va être déçu de Garcia Delva. Frères et sœurs, bon, invite-toi, fais avec, si exercice à lever campé, avec Bible dans la main. On nous lit, non? Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 17. Philippiens 3, verset 17. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et partagez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Nous méditons. Il y a deux choses principales qui opèrent dans la vie de chaque chrétien lorsque il reçoit Jésus-Christ. C'est la flamme du Saint-Esprit. C'est le zèle de l'évangile. Frères et sœurs, apôtre Paul prend le soin, le temps pour le raconter avec le peuple philippien, avec l'église qui était à Philippines, pour lui capable de faire reconnaître que le vrai modèle, c'est Jésus. Apôtre Paul a exhorté le peuple là, même gens que lui-même, Dieu le fixait sous Jésus, il prend Jésus comme modèle, et nous-mêmes chrétiens, nous supposons prendre Jésus-Christ comme modèle. Plus que 8 fois dans le Nouveau Testament, le mot modèle parfait y apparaît. C'est sûr que on nous a aimé on l'autre monde. Ou mon autre artiste, il son modèle. Mais qui dit tout matin, il n'est pas le modèle parfait. Le modèle parfait, c'est Jésus. Alléluia. Lorsque vous ranimez la flamme du Saint-Esprit qui t'est sommeillé, qui t'est dormi, qui t'est absent, eh bien, il faut qu'on choisisse le monde comme modèle. Frères et sœurs, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui, modèle yo, et pas des hommes de Dieu blanc encore. Et pas des femmes de Dieu blanc encore. Mais c'est mon Dieu qui est blanc. L'église vient tomber nos situations côté que nous plus focus sur ça le monde a projeté au lieu que nous focus sur ça que l'évangile a projeté pour l'homme. Nous plus à chercher ça qui a fait nous paraître, qui a fait nous que nous avons belle rien, nous sommes des intellectuels, au lieu que nous focus sur ça qui a ranimé l'esprit, mon Dieu, qui a fait nous rapprocher de mon Dieu, ces jours-ci. Nous plus à chercher à faire mon plaisir, au lieu que nous faire bon Dieu plaisir. Nous plus à chercher flatter aux amis, chercher faire connaissance à leurs amis, au lieu que nous cherchions la présence de Dieu dans la vie. Sinon, gardez le langage en pile monde pour elle. Que moi, je dis, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes chrétien quand vous arrivez. Vous n'avez pas
pas besoin de perdre du temps du secrétien. Mais Jean comporté ou. Ça cap saute dans bouche ou. Action à poser ou. Il y a témoigné qu'on secret, qu'on se fait ça. Regardez, c'est pas parole, c'est pas bon, bipon, si bip. Mettez dans poche ou, mettez en bas tête ou, en rien. Si vous avez mangé la poche, quand même, c'est qu'il y a pour la dent, dans le cœur. Parce que toute la carte où tu as rempli la Bible, toute la poche où tu as rempli la dent, mais la foi qu'on mettait dans mon verset, la foi qu'on mettait dans mon Dieu, c'est ça qui va montrer la différence. La différence. En nous cherchant à suivre le modèle parfait, Jésus-Christ dit, je suis avec vous tous les jours. C'est seul exact qui a fait promesse ça et dit que mais maintenant, lorsqu'on va marier ensemble avec lui, il dit jusqu'à la mort vient, il est obligé de se marier avec vous. Zomi font dessus, Marie font dessus, mais non, ça, le modèle parfait, il va changer vos dessus. Il va changer faire mon défaut. Il va changer faire mon défaut. Et regardez, il allait après la mort. Il dit, jusqu'à la fin du monde. Même après la mort, il est toujours là. Il est toujours fidèle à ses promesses, à sa parole. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. C'est que promesse que bon Dieu fait dans la vie là, qu'il pleuve, qu'il donne, la gage est quand? Quand même. Et quel que soit le monde qui s'appelle pour camper devant, regardez, ou abjoun avec le père, ou abjoun avec le fils, et merci mon Dieu, parce qu'il y a un fort comme ça avec un, quand même. Et si parole, mon yo, vient parler de monde sur la vie, ou t'es cadé sur la vie, ou t'as couru déjà, déjà. Si ça te conduit, t'es capable pour toi, t'as couru déjà. Mais bon Dieu dit, hé, hey, écoutez ça, nous prenons sous ta vie, nous restons avec quelqu'un, quand même. Alléluia. Frères et sœurs, je veux dire, honorer mon Seigneur, mon Jésus, mais on a toujours apprécié en pile, Pasteur Gaël en Haïti. Nous ne sommes pas là, voilà. Nous vivons de la foi, nous vivons avec le diable là, quand même. Nous vivons avec tout le monde là, quand même. Et nous marions, nous avons 8 ans après le mariage. Nous avons perdu 6 petits mouns avant ça. Nous avons perdu 6 petits avant ça. Nous savons que fait mal là, c'est que grande soeur nous vient là, quand même. Et puis, dit, madame, moi, ou qu'on a vu manger, frère, nous avons un petit, un pile coup d'humiliation. Ou qu'on a vu, j'ai même l'église, moi. L'église, moi, bonne humiliation. Moun, ceci, moun, parler. Et pas tant de que m'pas tant de. Mais, regardez, nous faisons tout court, m'pas dire, mais en tant que, bon, là, il vient de tristesse qu'a coulé. 8 ans après le mariage, et nous songeons, m'a prié, bon, je dis, m'a dit, frère Gaël, viens prier pour vous. Mais qu'elle m'a quand même dit, parce que Gaël, serviteur, bon, je dis, vous venez prier avec moi. Sans hésiter, il vient prier ensemble avec moi. Dieu est grand. Et aujourd'hui, après 8 ans de mariage, il y a 2 petits filles. Il y a un petit salut à votre Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai adoré la cruse. Et désormais, la couronne de l'homme est réservée. La vie chrétienne n'est pas toujours facile. Si on vit sous l'ombre de Jésus-Christ, la vie à hausse bouge jamais. Parce que Christ dit si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui se change là, la croix. Le vrai modèle, l'a fait que mon naïf. Parce que l'a dit que la réponse était insensée. Parce que notre travail là, il y a volé ou pas volé. Parce que nous commerçons, il y a pas une fois, mais pas belle lui-même. Parce qu'on garde là, on garde la foi. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Jamais. Comme ça, dans qui dure, on travaille très dur, matin, midi et soir, et pour prier, et pour que je me garantisse mon nom. Qui dure, mon qui marie, on compte ça déjà. Parce que la culture haïtienne, les filles à marier, il faut t'attendre ton fond petit. Mais qui t'aime, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle aime beaucoup l'humiliation, elle m'a crié, elle m'a crié, parce que j'ai une révélation.
bon de la bombe au petit fille, il garde la foi. Mon cousin, mais ça que ça le converti, vous l'avez dit. Je dis, monsieur, vous faites passer, m'a bien petit. Et m'a bien avec madame moi. Et puis, après 8 ans, je me dis, ah, cousin, vous êtes tous dit, ça, ça sont témoignages. Regardez, Jésus, ça, faut me dire tout. Faut me dire tout. La foi dans le Seigneur. Nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Mais ça n'est pas aussi facile. Suivre Jésus-Christ n'est pas aussi facile. Et qu'il y a quelques fois obligé pour une décision. Peut-être qu'il a fait mon crier. Qu'il a fait mon crier. Et chaque fois, hein, le modèle parfait, il fait ça pour faire dans la vie là. Kébel. Kébel. La paix vous avez. Moi, je vais là qui fort. L'un des versets que je mets dans la Bible. En pile. Il dit, c'est par ta faute que tu perdras ton héritage. Donc, où tu es dans le plan, mon Dieu? Plan, mon Dieu, faire pour moi. Bon Dieu, pas de vie avec elle. C'est vous-même qui avez sorti dans le plan. Vous comprenez moi? Bon Dieu, tu as son route pour vous, Jésus. Mais qui va vous aider? Et bien, vous-même, mauvais la vie. Mauvais parole, orgueil, recul, fait qu'on sortit dans la route là, mais la route est toujours tracée pour vous. Le plan est toujours tracé pour vous. Ça veut dire, ouais, on t'a prié le Seigneur pour une bonne madame. Et mais bon Dieu, fait les bonnes madame. Et mais le baroul, c'est pour Kébel. Là, c'est si Kébel, parce que c'est pour ce baroul. Et si ça, ouais, pour ce film, ou en traité, bon, pas qu'il y ait un petit arrêt, mais il y a un. Bon, on va dire, mais lui, hein. Garçon, son regard, hein. Il va couvrir une chose, il comme Marie, là, qui a travaillé pour vous, qui levait, fait bon si manger pour vous, qui montait tout ça pour vous-même. Garçon, son regard, bon, puis il faut un petit arrêt, il y a un petit arrêt. Bon, je vous bagaille. On va prier pour Dieu, bon téléphone. Bon Dieu, bon téléphone, non? Eh bien, prenez là, il y a le. Alors là, quand vous pouvez, ça va venir après. Il y a prendre. Et eh bien, bon Dieu qui prend. C'est vous-même qui me venez. Amen. Au cours de ce moment de machine ta caselle, mon apprend, mais pas bon Dieu qui prend. C'est faute par. C'est par ta faute que tu perdras ton héritage. Ça veut dire. Gros green bagay qui pour ta fait on promesse pas accomplir sous bien tout c'est si ou même on retire qu'on a. Alléluia. Et là, là, là. C'est sous retire ton blanc parce qu'il faut garder la foi. Le chrétien chaque jour faut garder la foi, faut garder là-bas la patience. Mes amis, c'est plus que 19 ans après, oui, on promesse que mon Dieu fait jeter Joseph est venu accomplir. Plus que 25 ans après, il dit Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et puis 25 ans après, pour mettre ça accompli. Au gros sac de là, c'est que l'elbe a le fait, la impossible pour l'homme. La impossible pour l'homme. Parce que comme je songe, l'homme perd du quatrième petit moins. Docteur Raymond, grand docteur en Haïti, monsieur dit consacré, ah, mon cher, si vous voulez bouiller, vous me dites, oui, vous voulez bouiller. Il dit, je n'ai pas d'espoir pour vous encore. Madame, vous n'avez pas de répétition encore. Il dit, monsieur, c'est sorti. Ce n'est pas ça, mon Dieu. Il dit, ouais, son pas de bon Dieu, ouais. Il dit, monsieur, je vais continuer à prier. Et puis, bonjour, je marche à Christi. Et puis, moi, docteur Raymond, je dis, docteur Raymond, où songez-moi? Il dit, non. Il dit, c'est tel pas ce que tu as fait des pères, dit, petit dans mon lent. Et puis, il dit, voici ma fille. Il dit, sorti là, ouais, docteur, dit, non, 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 c'est propre petit moi. Dieu là, Dieu l'a fait. Je ne sais pas comment, ni pourquoi, c'est un Dieu là. Du bagaille, là on fait la vie. C'est pour regarder étonner le monde. C'est pour dire, oui, qui laisse bouger ça, mais ça me servit là. Qui laisse bouger ça, me servit là, qui fait quelque chose là. Ça veut dire, le modèle parfait, l'homme de l'église, si on a besoin de bonnes jeunes filles, bon jeune gens, c'est là que nous cherchons. C'est là que nous cherchons. Faisons un modèle de jeune garçon, c'est là que nous cherchons.
La paix mon Dieu avec eux. Amen. Souvent les dit amen, pas de problème, ouais, avant ça qu'a porté là, la paix mon Dieu gloire. Ouais, ça vite la capte là, la paix mon Dieu gloire. Tout c'est ah. Amen, vous le Seigneur. Alléluia. Réanimons la flamme de la différence. Frères et sœurs, de nos jours, nous voyons c'est le monde qui a influencé l'église. Il a fait le contraire. Mais c'est l'église qui t'a supposé influencer le monde. Nous plus que tendance, prenons ça qui dehors, vous mettez en l'église. Au lieu que nous-mêmes, nous prenons ça qui est dans l'église, nous mettez dehors. Pour nous faire la différence. Nous avons toujours besoin à la mode, adopter sa mode-là, offrir-nous. La Bible dit, vous êtes la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes des ambassadeurs. Vous connaissez ça que tu as fait la foi pour longtemps? Dans l'Hébreu 6, dit la foi, son fait ma science que lui. Longtemps, c'est témoignage chrétien qui te connaît raffermi foi. C'est que la Bible vous dit le Dieu de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, parce que moun sa yo, peut-être qu'on histoire, peut-être qu'on passé devant mon Dieu. Nous, chaque qui l'a tout, nous histoire, nous comprenons. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner une espérance et de l'aveu et de l'avenir. Les projets de Dieu pour la vie, frères et sœurs, c'est pareil que même l'esprit pour le prochain qui a percé. Bagaille que bon Dieu fait dans la vie, ou pour qu'a percé bagaille ça. Et chaque fois, on va gagner quelquefois, même le monde pas qu'à comprendre, pas étonné pour si le monde qui lui prend choix, c'est lui-même qui ne peut pas comprendre. Pas étonné pour un Égyptien pour chercher des rois. En de l'église. Parce que en de l'église, frères et sœurs, à la vérité, c'est côté qui est hypocrite. Sous Pavle et Kouel, ça fait. L'église, c'est côté qui est plus hypocrite. Et ça fait jusqu'à maintenant, d'abord, ça passe à Gaël, il faut continuer à prêcher. Nous t'as supposé, dans l'église, nous voulons enseigner la parole. Mais nous, tellement, l'église est tellement faite, tellement qu'il y a des chaînes dans l'église. Tellement de gens qui m'a fait l'ignette, qui m'a fait parler l'église, nous obligés de continuer à prêcher hein? Encore. Nous avons fait l'église dans l'état de sainteté. Où nous ça, frères et sœurs? Parce que nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Pendant que nous même que l'église, nous avons calé corps, et puis le temps a accompli sur nous-mêmes. Et puis nous avons saisi pour demain, nous avons 30 ans. Après demain, on a 40 ou 50 ans, et pour nous, on mourit, et puis Jésus-Christ finit. Du bagaille, frères et sœurs, il faut que nous rentrions dans le plan de Dieu. Il faut rester dans la sainteté, dans la sanctification. La Bible dit sans la sanctification, personne, nul ne verra le Seigneur. Parce que, il y a des gens qui disent que nous pensons que c'est nous qui sommes bons. C'est nous qui proposons que nous puissions parler. Nous puissions juste. Nous puissions sages. Pas de problème. Tout ça, il est capable de dire. Mais qui te dit? Mais bon Dieu, apprenons. Qui m'a dit? Qui dit? Ou gardez le silence. Le silence est quelquefois une réponse. Ils sont réponse aussi avec tout le monde qui a parlé. Frères et sœurs, bon Dieu est capable de prendre nous chaque qui là, si vous êtes d'accord, les multiplier toute communauté à mettre. Travail que Dieu voulait faire, il va voir pasteur Gaël faire seulement,
Mais tout le monde qui recevra Jésus-Christ, les voyons à le faire. Les voyons à l'évangéliser. Les voyons aller prêcher la bonne nouvelle. Nous connaissons que Jean pays ça. Grand pile principe, grand pile loi, mais grand pile façon tout. Ou quand évangéliser. Bon, tout va bien. L'ennemi va chômer lui-même. Ennemi, chaque jour, la brûle avec une nouvelle stratégie pour détourner vous, détourner les jeunes, détourner madame mariée, détourner monsieur marié. Il y a toutes quatre bagailles. Mais nous-mêmes, nous avons chaque jour, nous avons cherché la présence de la présence de Dieu. Frères et sœurs, ranimer la flamme de la différence, c'est porter flambeau l'évangile à tout côté. C'est porter le foyer. Et ça, c'est même un problème avec un monde qui pensait que les capables de l'église pour faire toute bagarre à l'église. Non, 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 non. Sanctifiez d'abord. Sanctifiez d'abord. Parce que on t'a fait chanter, ou adorer, ou les sortes, on va gagner pour avec l'église. Parce qu'on dit qui pourra monter à la montagne de l'éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Merci mon gars. Ça veut dire que l'on a présence de Dieu. C'est pas qu'il y a un peu de monde qui t'a aimé, juif. Un peu de jeunes qui t'a aimé, juif. J'ai l'impression que mon Dieu. Moi-même, l'église, j'ai une responsabilité de l'église. Quand je prends un petit temps, je vais marcher à l'hôpital en Haïti, dans la prison. Prison en Haïti. Alléluia. Prison en Haïti, mes amis. Dieu, ça a mauvais. Un peu de prisonniers à mourir parce que c'est chaque 3-4 jours. Qu'on a eu bail au manger en Haïti. Donc, vous comprenez ça? Ou faut jeûner par force. Ou pas bien jeûner. Frères et sœurs, mal prêcher les organes. Un jeune garçon, les organes, avant de prêcher, qui m'a dit pour qu'apprendre la parole. Depuis souvent, nous toujours bien suivre, bien prier avant de nous la parole dans l'église. Et puis il me dit, qui t'a parlé? Jeune garçon commence à raconter qu'il sortit en province pour affaire pas bon. Il est venu pour tout presque 40 tontons. Après un mois, tonton est venu voir Gilles qui était là. Il n'est pas arrêté au métier de l'eau. Là, quand il y a un autre ami, on a créé le silo de ma 33. Le rivier silo, côté rivier Ali, deux messieurs dans la deux messieurs qui ont long Dieu dans la tête. Même je le rivière, dans la soirée où il doit faire 4 tasses vers 10h du soir, il va rendre ça qui passe. 20 minutes, il doit passer mon fenêtre pour quitter la caille pour compléter. Jeune garçon. Je lui ai couché là parce que je ne sais pas côté où l'aller. Et puis vers 1h du matin, la police débarque dans la caille là. Il a arrêté monsieur parce qu'il a dit monsieur dans la caille, il est kidnappé. Je dis de rentrer dans le pénitentiaire sans vaciller en rien, sans aucun jugement, sans aucun papier. Et puis pendant la prison, ils ont violé. Garçon violé encore. T'as compris ça? Garçon violé encore. Je dis ils ont battu. Je dis que quelquefois ils ont plaqué. On m'a éliminé nos murs pour dégager à manger. M'a éliminé balai, il gloire. Il sent goût. Faut le goût l'autre monde pour manger pour lui qui bon qui est manger la gueule de ma pour boire c'est le cas de je dis, ben là tellement tu brûles dans le pénitentiaire. Il dit, il faut prière. Il dit, mon Dieu, soumettez-moi dans la prison ça. Premier côté, je vais aller dans l'église, je vais me convertir. Je vais bailler Jésus-Christ la vie pour ça m'apprend là. Et puis, il y a un bagage qui passe dans la prison vraiment vrai. En plus, il est sauvé, y compris monsieur. Monsieur dit, premier côté, là, il y a un pasteur. C'est vrai. Et puis, il explique au pasteur à qui ça. Il dit, pasteur, même qu'on ne
rien pour moi. Mais après, dans l'église, c'est travail. C'est tout ce que vous voulez. Vous voulez accepter Christ. Pasteur content. Pasteur a dit ma vie. Et entre dans le bureau, pasteur a arrivé la police. Pendant monsieur là, la police est débarquée. Prend monsieur en présence des pasteurs. Deux dents dans la bouche, monsieur qui est arraché. Tellement le bac, monsieur. Je dis ça, c'est que vous ne faites pas jumper en rien. Rien pas de jambes de blanc. Pour tellement les victimes, tellement de coups, tellement ils ont maltraité la prison. Manger, la plus grande goule, pas capable de manger. Il a battu, il a violé. Et surtout, prend sida dans la prison. Monsieur prend sida dans la prison. Monsieur même pas capable de marcher, monsieur marcher brinté. Pour tellement ils ont battu dans la prison. Et puis, c'est pendant 2h du matin, on prend la rue ensemble avec lui. On s'est mis à jouer ensemble avec lui. Et puis, il a lagué monsieur à terre. Et puis, il y a un policier qui dit monsieur, mais, on pas sembler avec bandit, non, même. On pas qu'une fille qui bandit. Et puis, il a lagué monsieur à terre, du côté de l'yoga. Et puis, monsieur dit mais moi, monsieur rentre l'examiné là, tout grand goût. Et tout ça me dégage sur moi, tout ça me dégage sur moi, ma lunette. Nous sommes tous dégagés, $1,000, tu as parlé, tout ça me dégage sur moi. Frère et soeur. Ou même qui la grâce que vous avez fait, vous ne pouvez pas comprendre ça. En tant que jeune garçon, si vous avez un côté que vous payez, c'est tout simplement que vos yeux font grâce. Qui m'a gagné que vos yeux font la vie, c'est parce qu'on garde en fidélité. Parce que maman garde en fidélité, jeune garçon, jeune fille là. Parce que vous êtes quand même jamais autour d'Haïti. Vous êtes quand même ensemble dans mon tout. Vous êtes quand même braqué mon tout. C'est un monde 15 ans qui est plus violent en Haïti. Il y a plus de kidnappés, il y a plus de bateaux. Ça fait un monde mal pour avoir 40 ans, 50 ans. Et pour un monde 15 ans à bateaux, on fait 10 ans à faire économie, on va se faire et puis au seul coup, on va tout ruiner, on doit en même temps. Mais ce n'est pas aussi facile, mes amis. Même qu'on est Alléluia, bonjour Capuni. Bonjour Capuni, Alléluia. C'est pour toute nation qu'on est, que pour bon Dieu qui existe. C'est pour tout qu'on est qui est Haïti. Amen. Dans la capable de changer. Et cette fois, nous ne pouvons jamais suspendre de prier. Puis quand nous disons découragé, nous allons faut que nous continuions à jeûner. Faut que nous continuions à prier. Résister au diable. Résister au diable. Et il va louer. Ça me permet, c'est à frères et sœurs. Il y a eu même pas qu'à expliquer. Il purement diabolique. Ça qui a passé en Haïti, il est purement diabolique. Mes amis, pour nous rester, pour habiter toute notre famille, et pour manger chez nous, aux têtes policières, tu es Mariani, il y a un jeu de football à tête policière, mes amis. Pendant qu'il est sorti, madame ni connaît la chercher la nuit. Et puis une nouvelle qui vient, je ne sais nouvelle là moi. Libère la part aussi. Douce. Mais nous connaît que où en Haïti, Dieu règne encore. Aux États-Unis, Dieu règne encore. Où en Europe, Dieu règne encore. Alléluia. Regardez, même qu'on voit là, si plein. Si vous allez faire Haïti, bon Dieu a mis en circonstance pour aller faire la planète. Et si c'est là, bon Dieu, vous auriez tout, vous allez être là, vous allez faire mission là, vous allez prier là, vous allez jeûner là, vous allez évangéliser là. Frères et sœurs, moi, bon, j'ai fini le message là. Pour me dire que le Saint-Esprit est encore vivant. Nous ne pouvons pas comporter nous-mêmes avec l'autre monde. Il y a des gens qui ont tellement perdu espoir, ils ont même tué tête. Il y a des gens qui ont tellement pas réussi à faire, ils ont décidé de vivre encore. La Bible dit, dans Romains 12, verset 1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. L'esprit bon Dieu qui est dans nous fait que nous ne sommes pas découragés. L'esprit bon Dieu qui est dans nous fait que nous ne pouvons pas baisser la tête à terre. Nous ne pouvons pas faire bêtises encore. L'esprit bon Dieu qui est dans nous fait nous connaître. C'est pour nous toujours honorer les gens qui sont grands parce que nous. Vous connaissez, frères et sœurs, c'est parce que vous avez l'air privé. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 15, il dit, retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Et bien, regardez, où t'es qu'à dormir la caillotte? Où t'es qu'à fatigué? Où t'es capable de regarder la télévision la caillotte? Mais on vient quand même. Mais nous, je dis, on ne peut pas faire un mauvais choix. On ne peut pas regretter. On ne peut pas privé. Bon Dieu, a récompensé. Que bon Dieu est capable de rafler une fois. Que mon Dieu est capable de bénir nous. Que mon Dieu est capable de bénir chaque famille qu'il a. Que chaque jeune garçon. Que chaque jeune fille. Que chaque madame mariée. Que chaque monsieur marié. Qu'on est, je dis, que nous sommes spéciales. Parce que Jésus-Christ t'est bien la vie pour vous. Et que bon Dieu bénisse nous richement.